Mon colonel, bonjour. Bonjour. Veuillez vous présenter à Guinée Matin. Je suis le colonel Moussa Tchebro Kamara, secrétaire général à la présidence des chargés des services spéciaux, la lutte contre la drogue et le crime organisé. Voilà, merci de nous accorder cette interview. Il y a une histoire de riz pourri aujourd'hui qui fait parler beaucoup, qui fait couler beaucoup de farine pourrie aussi, qui fait couler beaucoup d'engrais de salive dans la cité. Et des opérateurs économiques, certains d'entre eux ont été saisis. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit concrètement. Merci M. Diallo, merci Guinée Matin. Moi-même, j'ai sollicité à ce que nous retrouvions pour, s'il faut dire, informer le public par rapport à votre dernière publication qui ne m'a pas écœuré, parce que moi, je me suis dit que les journalistes, mais ce que je voulais demander avant d'attaquer le sujet, je voulais simplement demander que le Guinée Matin n'a pas n'importe quel site aujourd'hui. Merci. C'est un site qui est vraiment lu, merci. Que les gens, tous les matins, les gens vraiment se jugent là-dessus. Pour avoir des informations. Désormais, quand vous avez des documents, des choses comme ça qui nous concernent, venez nous voir, la source, on va vous donner les informations qu'il faut. Contradictoirement, vous, en tant qu'intellectuel, vous tirerez, s'il faut dire, les conclusions qu'il faut, afin que le public ait la bonne information. Ça, c'est alors, ça, c'était juste une parenthèse. Mm-hmm. Si je reviens sur ce fameux drame, je dis comme ça, ce fameux drame alimentaire, cet empoisonnement massive de consommateurs guinéens et opéré par Mamadou Diallo dit Bobo Ripouri et ses acolytes. Alors, je vous dis simplement que ce dossier, en parlant chaque fois de ce dossier, ça me fait plonger dans un désarroi, dans un désespoir. Je me dis, mais où nous sommes? La question que je vous pose, c'est où nous sommes? Quel monsieur se nomme dans un pays, Bobo Ripouri, qu'aucun gendarme, aucun policier, aucun judice, tout le monde, aucun citoyen ne s'est dit, mais pourquoi toi ton nom c'est Bobo Ripouri? Que ce monsieur se vante que depuis 20 ans, il ne fait que ça, et que personne n'a le droit de lever un seul doigt pour lui dire, monsieur, arrêtez, tu es en train d'empoisonner les citoyens. Je suis vraiment désolé. Quand je reviens un peu sur l'historique, après le directeur d'abord, il va essayer de vous donner des points de la situation. Quand j'ai vu l'apparition, j'ai dit que non, il vous a trompé. Bobo Ripouri, c'était en août 2018, après que le président de la République s'était prononcé là-dessus sur le riz que M. Nabe avait importé dans l'OTAN depuis 2016 et en Guinée, à début de revendre sur le marché, vu le prix était très élevé, et je pense que ça n'a pas été écoulé. Et vous voyez, il y a encore des milliers de tonnes qui étaient gardées, et la date de Pélenchon s'approchait. Alors, M. Nabe, alors je pense que le président avait dit à l'époque de l'incinérer, mais sous le contrôle des services compétents. Des services compétents, contrôle de qualité, nous autres là, police gendarmerie, en tout cas tout le monde, afin que ne faut pas que ça soit détourné de son chemin d'incinération pour être encore dans la main des citoyens qui sont vraiment, qui me paraît vraiment tout affamé, qui tombent sur tout ce qui est moins cher. Alors, c'est en ce moment que Bobo, cet espace de temps que Bobo Ripouri a surgi, il a négocié dans le but de livrer au volaille ou au bétail. Et c'est vrai. Je pense que c'était un argument valable pour pouvoir vendre ce riz-là à Bobo. Et c'est vrai. Bobo, il a pris ce riz. Après, comme il le fait d'habitude, c'est son travail habituel. Bobo, qui était en 2006-2007 un simple manutentionnaire au port de Conakry, dans le transement, avec Suleiman à l'époque. Et Bobo est devenu aujourd'hui l'un des opérateurs les plus riches du pays. Et c'est vrai. Et dans cette fraude, tout ce qui est avarié, tout ce qui est périmé, c'est ce que lui reconditionne pour revendre aux citoyens, peu importe la vie des citoyens. Pendant ce temps, lui-même il vit, et lui et sa famille, même son poulet n'a pas à Conakry. Ça veut dire que lui-même il est à l'abri de cet empoisonnement. Sa famille est à l'abri de cet empoisonnement. Et vous voyez, ce qui l'intéresse au moins, c'est ces buildings qui sont construits partout. Il a plus de buildings à Conakry, ainsi que n'importe quel opérateur de la place. Et vous voyez, et dans cette fraude. Alors, pour revenir un peu à la chose, c'est ainsi qu'on a ouvert
une enquête administrative pour savoir où sont ces riz-là et qu'est-ce qu'ils veulent en faire avec. On a compris à un moment donné qu'une grande partie du riz a disparu. Et c'est voyez. Alors ça a enrichi encore notre enquête. Bobo a été interpellé ici. On a été invité ici, toujours dans la phase administrative, pour savoir et comment situer sa responsabilité. Parce que pour nous, il a acheté pour livrer au volail ou au bétail. Ouais. Et c'est vrai, Bamako, comme il le disait à l'époque là, à l'intérieur du pays. Donc ce n'est pas ce qui avait été fait finalement. Non, non, en fin de compte, on a compris que Bobo, le riz, la marque est Vicor. La marque Vicor, comme chose, et Nambi a importé, a changé de marque au port ici. Et c'est vrai. Il a pris, il a importé les sacs vides. Sacs vides sur lesquels était écrit une partie. Ok, une partie aigre. C'est-à-dire, il a fabriqué, ces marques-là ont été fabriquées pour lui en Asie. Il a envoyé les sacs vides, des milliers de sacs vides. Le riz a été transvasé dans les sacs. Le riz a été transvasé dans ces sacs-là. Et la seule marque Vicor a eu deux marques tout de suite au port. Une qui s'appelait désormais Ok, et une autre qui s'appelait Aigle. Est-ce qu'il n'a pas bénéficié de complicité alors? Absolument. Donc je reviens sur la complicité. Ouais. Et c'est vrai. Ouais. Absolument. Parce qu'on ne peut pas faire ça devant tout le monde. Il était dans un gros magasin, le magasin CAL 2 de Jetement, Guinée, et appartenant à Monsieur Grenier. Et c'est vrai. Nos amis, nos infiltrés, ont même pénétré à l'intérieur de ce CAL-là. Il y a l'image là, certainement on va vous transmettre ces images. D'accord. Vous allez comprendre qu'ils ont fait une infiltration. Et dans ce CAL-là, Et dans ce cas-là, et les gens ont compris effectivement que Bobo, eux deux, revendent initialement le sac Vicor, il a envoyé effectivement deux choses. Quand Bobo a compris, quand il a été invité ici, quand on l'a exhibé, les deux sacs, les deux marques pour dire écoutez, Echo, Aigle sont des marques que tu as créées ici. Et dans un pays normal, dans un pays où tout le monde fait son travail, dans un pays où les services en charge de lutter contre ces malversations comme ça, ces empoisonnements comme ça, il y a un service de qualité. Il y a même des services qui sont créés aujourd'hui, des ONG qui sont créées, qui luttent contre la mauvaise qualité, dans le but de préserver la santé publique des citoyens. Dans un pays de ce genre, comment quelqu'un peut changer la marque d'une marchandise qui est déjà au port de Conakry en deux marques? Avec deux dates différentes. Ouais, les dates de péremption. La première marque que le riz expiré en 2018, là, novembre. Il a mis sur les nouveaux sacs qu'il a importés deux dates. Une date, une autre date différente de cette date à l'origine. Ouais. Alors il a mis 2020 sur les nouveaux sacs. Il y a eu prolongation. Il y a eu prolongation de date. Ça veut dire, quand on a posé la question, il a dit non, que c'était pour lui permettre de dépouler son stock. Donc il a reconnu les faits devant vous. Mais il a reconnu, les PV sont là. On a même traduit, quand les PV de Falling Apathé, on a transmis tous les PV à la fois. Les deux PV ont été transmis. Et c'est vrai. Donc, imaginez-vous, hein, ça c'est extrêmement grave que tu n'as pas d'idée. Et c'est vrai. Quand ce bobo-là, qui vit de ça, hein, il vit de ça depuis près de 20 ans, de sa propre bouche et dans son PV. Il dit qu'il ne peut pas se débarrasser de ça, que c'est malheureusement que c'est notre service qui ne sait pas ce qu'il fait. Que sinon, tous les services sont informés de ce que lui fait. Et tous les opérateurs économiques de ce pays savent qu'est-ce que Bobo fait. C'est de reconditionner ce qui est pourri et revendre aux citoyens sur la base d'une autre étiquette. Et c'est voyez, hein, dans le but de tromper non seulement l'acheteur, mais cela ne se fait pas sans complicité. Oui, mon colonel, on a reçu des proches de Bobo, ouais, qui nous ont exhibé un document dans lequel ils disent que le riz dont il s'agit, ils ont reçu un document qui aurait été adressé par vos services à Jetement, qui certifie que ce riz en question, c'est le document, est bien propre à la consommation par les services compétents de Matoto, mais aussi de Veritas. Oui, et que répondez-vous, Michel Diallo? Oui. Ça, on ne revient pas sur ça. Celui-là qui a signé ce document, c'est un directeur adjoint. Ouais. C'est le directeur adjoint de crime organisé, l'adjoint de Stade Diallo. Ouais. Alors, je vous dis simplement que toutes ces supputations-là n'ont plus de place, ouais, dans ma tête. Ouais. Pénalement parlant, à partir du moment où Bobo n'a pas revendu ce riz-là, ce que les gens ont fait, Veritas nous a dit en fin de compte, mais il nous a trompé parce que l'échantillon qu'on a fait, c'était avec un sac blanc. On ne l'a pas autorisé de transvaser ça dans un autre sac qu'il a importé de l'Europe, de l'Asie, avec d'autres dates de péremption. Est-ce qu'il a la qualité d'augmenter, hein, le prolonger
la date, la durée d'une marchandise. Non. Il a la possibilité, il a ce droit, non. Il a la compétence. Et c'est vrai. Le plan qui a fabriqué le riz dit que le riz expirait en 2018, novembre. Et lui, il cherche des sacs, il commande les sacs, il dit aux gens, aux fabricants, de mettre sur le sac là 2020. C'est déjà, à partir de là déjà, la fausseté elle est là. Elle est établie. Elle est établie. À partir de là déjà, l'infraction est consommée. À partir du moment où il a même transvasé ce riz-là dans l'intention de revendre aux citoyens avec d'autres étiquettes, qui est maintenant éco et innocent marque, divisé en deux marques, pour pouvoir le reconnaître. C'est déjà, à partir de là déjà, l'infraction est établie. Et c'est à partir de là que le ministère du Commerce s'est désengagé devant nous ici, parce que tout le monde a été entendu, contrôle de qualité, que le ministère de... Que le laboratoire qu'on appelle Veritas s'est désengagé devant nous ici, que nous, on a fait l'échantillonnage avec un sac blanc, Vicor. Et c'est vrai. Mais ce n'était pas le même riz. Un lot qui nous a montré. Ce n'était pas le même riz. C'est le même riz Vicor qu'il a transvasé dans Deco et dans Aigle. Et c'est vrai. Avec les sacs importés. Après de là, déjà, nous, il n'y a pas à réfléchir. L'infraction est consommée. Ouais, mais est-ce que vous avez même si tu dis ça devant un citoyen lambda. Et là, des fractions comme ça. Et la lettre qu'on a adressée à Jettement, c'était adressée à Jettement. Et le contenu de la lettre, tu l'as lu. Si tu comprends français, c'était pas. Parce qu'on nous a trompé. C'est ça. C'est ça. Il va essayer d'expliquer ça. Vous comprendrez mieux que ce monsieur-là trompe tout le monde parce qu'il a des appuis partout. C'est de la corruption à ciel ouvert. Maintenant, justement, les ramifications-là. Est-ce qu'il va y avoir des arrestations parmi tous ceux qui lui ont facilité un peu? Je vais finir après, je vais vous dire quelque chose. D'accord, mon colonel. Regardez ce sac. Certainement, vous n'allez pas, l'image n'est pas correcte. Déco, là, que vous voyez, c'est le nouveau sac que Bobo a importé. Le sac Vicor, les anciens sacs blancs là, qui sont en bas comme ça, ce sont les anciens sacs que Bobo. Qui était une hypothèque que Bobo a acheté dans la main de M. Nabé. Ah oui, Vicor. Et c'est Vicor. Donc, Vicor là, qu'il a acheté. Et il a importé ce Eco là et l'autre sac là, Aigle, qu'il a transvasé dans ce sac là pour pouvoir vendre aux citoyens. À partir de là, l'inflation est consommée. Nous sommes dans un état de droit. C'est parti gris. Et quand Bobo a compris qu'on a compris, qu'on a déjà établi un certain nombre, qu'on quittait maintenant l'administratif, l'enquête administrative pour l'enquête pénale. Pénal, ouais. Il a disparu avec son avocat. Il était recherché. Il a disparu avec son avocat. C'est dans ses recherches qu'on a découvert, par enquête, par l'infiltration du port, qu'on a vu encore, qu'on a encore revendu encore des farines qui commencent à disparaître. Et les farines pourries depuis 2016. Saisies à d'abord pas, hein, oui. Récemment. Oui. C'est dans sa recherche là qu'on cherchait où il a envoyé le stock de riz là. Parce que c'est pas vendable, on ne peut pas vendre aux citoyens. Et c'est voyez, c'est pas consommable. Ça peut empoisonner la population. Tout le monde est malade aujourd'hui. Tu sais que tout le monde est malade. Tout le monde, tu peux dire que je n'ai pas dit encore, ma maladie n'a pas encore identifié. Mais les gens sont pas importants. À partir de 40 ans, 45 ans, tu es malade. Malade. Et c'est voyez. Même des enfants, va à l'hôpital. Il y a les maladies qu'on n'entendait jamais avant 18 ans, avant 20 ans, 30 ans, qui sont aujourd'hui avec les enfants de 18 ans, de 8 ans, de 10 ans. Et c'est vrai, c'est l'alcool n'est nulle part, c'est le consommable. Parce que le consommable a un problème sur le marché guinéen. Effectivement. Alors, quand tant que les gens comme ça vivent, Bobo qui vit, sa famille est à l'abri, il ne mangeait pas n'importe quoi, il nous a pas n'importe quoi ici, les gens achètent. Alors, c'est cette enquête-là qui nous a amené à voir, à surveiller un peu cette farine-là. Et à un moment donné, on a compris que la farine même a disparu, à moitié. Et c'est vrai. Et on a fait ce qu'on appelle la filature de ces conteneurs la nuit. Ouais. Parce qu'ils transportaient ces conteneurs-là du port à 30 km d'ici, d'Abompa. Et c'est vrai. Mais c'est même pas d'Abompa en route, c'est juste un magasin reculé, un magasin oublié, quelque part là-bas. Il est parti mettre là-bas. Un magasin qui est isolé. Il est parti mettre tout ce. Et puis le chef de quartier nous a dit ce jour-là, il dit, ah, c'est ici la nuit les gens venaient. Comment on savait que le port aussi travaille la nuit? On n'a pas tenu compte. Et c'est vrai. Donc il a emmagasiné des tonnes, à peu près de 6 000 tonnes. Et c'est vrai. C'est qu'il est là-bas, il y en a plein de trucs là. Mais alors on que a vu les images, en 2016, en 2016, cette farine-là a fait polémique à Guinée. Oui, mais... Les gens ont dit de retirer dans la rue, dans la circulation. Oui, mon collègue, Il prend ça, suivant, je vais finir. D'accord. Il prend ça. Il va stocker en haut de banlieue et il y a ce bâtiment, ce magasin, il y a deux portes. Une petite porte qui est à côté de mur
Il y a une grande porte qui s'ouvre directement vers un stade, un terrain de football. Ils ont ouvert la petite porte. C'est là-bas où tout le monde rentrait, devant nos éléments. Et c'est vrai, devant, les gens rentraient pour reconditionner. Et encore pire que ça, il a encore importé des sacs blancs. Sacs typiques farine. Il a encore importé les sacs blancs pour... Avec un dateur et tout. Et, parce qu'il a le dateur. Et maintenant, dans le but de revendre ce sac-là encore aux citoyens. Et c'est vrai. Donc, on a voulu le prendre sur la main de la patte. Ouais. C'est pourquoi c'est qu'il a dit. Sinon, ça fait 2 mois, on suit ça de près. Ouais. Quand il vient au travail avec lui, il peut faire 2, 3, 4 jours sans venir. Ouais. Pour ne pas attirer l'attention des gens. Ouais. Après encore une semaine, ils reviennent encore à l'intérieur. Ils referment, dès qu'ils rentrent là, par la petite porte, ils referment tout ce monde à l'intérieur, ça fait 50 degrés à l'intérieur. Allez, demain, toi avec ta concurrence là, si tu rentres là-bas, mon frère, tu vas tellement couler de l'eau, merci, tu risques d'avoir des vêtements. Et c'est vrai. Ouais. Donc, pratiquement, tu ne peux pas vivre à l'intérieur, c'est un four crématoire. Ouais, ouais. Et c'est vrai. Que les citoyens soient à l'intérieur, et on referme à l'extérieur, pour ne pas que ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui passent se rendent compte. Ils se rendent compte. Et le magasin est isolé. Et toute la journée, les gens travaillent là-bas pour 50 000 francs. 50 000 francs. 50 000 par francs. Jour. Par jour. Et c'est vrai. Et les sacs là sont là. Dès qu'on remplit le sac, il y a un monsieur là-bas qui est chargé de mettre la machine là pour recoudre ce sac là, comme c'était sorti à l'usine. Et c'est vrai. Donc ça aussi, à partir de là déjà, l'inflation a consommé. La question de savoir, comme les gens sont utopiques dans ce pays, les gens sont, on dirait que le Guinéen, bon, c'est la corruption, hein, c'est de la bonne guerre. Et c'est vrai. Bobo, ceux qui vivaient aux dépens de Bobo, on ne va jamais leur plaire. Ceux qui vivaient aux dépens de cette fraude massive, ce tamponnement massif, hein, c'est leurs intérêts, ils ont menacé. C'est leurs intérêts qui les menacent. Ouais. Ils ne vont jamais nous féliciter. Ouais. Mais heureusement, les 80-90% de la population, hein, vraiment croient ce qu'on fait. Ouais. Croient qu'on les a sauvés. Ouais. On a reçu tellement d'appels de connaître à l'étranger. Ouais. Barry m'a appelé encore hier des États-Unis. Ouais. Et c'est vrai, qu'il y a une assemblée là-bas, là, des Africains là-bas, qui est vice-président ou quelque part comme ça. Ouais. Vraiment. Qui nous félicitent, qui demandent même qui vont nous donner de matériel, qui vont nous envoyer de matériel. Ouais. Et c'est vrai. C'est pour dire simplement que ce n'est pas un problème de sous-sous, ce n'est pas un problème de malinqué, c'est pas un problème, problème de santé publique. C'est un problème de santé publique, comme tu le dis. Oui, mais j'ai une question, mon collègue. Je reviendrai. Ouais. Et c'est vrai. C'est une question de santé publique. Ouais. C'est même au-dessus de la politique. Ouais. Quand la santé publique est menacée, quand tout le monde est malade, on ne parle pas de trucs. Ouais. Quand la santé publique est menacée, tout le monde va se lever pour faire face à cet enjeu. Et c'est vrai. Ouais. Donc, pourquoi les gens qu'on vous avez vus à la télévision, on les a trouvés le jour sur on les a demandé de travailler là-bas, à l'intérieur là-bas. Ouais. Et c'est vrai. Et l'âge qui était en blanc là, l'autre qui était court comme ça, et tout le reste là, on les a trouvés sur place là-bas. Et c'est les gens qui viennent nous dire, allez, il faut leur pardonner, ils ne vont plus le refaire. Et les gens, et ceux qui sont empoisonnés, ouais. Et ceux qui ont mangé ce riz là, et ceux qui souffrent, parce que les Américains disent que tout ce qu'on en parle aujourd'hui, tu rattrapes demain. Ah oui. Il faut que l'alimentation soit correcte. Les gens chez les autres, on ne blague pas avec ça. Chez les autres, on ne blague pas avec ça. C'est la santé publique qui est menacée. C'est la population entière qui est menacée. Et nous, en charge de crime organisé, en charge de délit économique et financier, en charge de renseignement économique, financier et narcotique, en charge de la drogue, et c'est vrai, tout ce qui peut vraiment... c'est pourquoi tout faux médicament est une drogue. Ah oui. D'après les Anglais. Donc, alors, nous, c'est notre mission régalienne. C'est nos attributions. Ça fait partie de nos attributions. Lutter tout ce qui vient de l'étranger, tout ce qu'on parachute sur le marché sans aucun contrôle, ça fait partie de nos attributions. Ouais. Et c'est vrai. Mais ce que Bobo a fait là, c'est encore plus grave que si quelqu'un faisait une contrefaçon. Ouais. Complètement pourri, reconditionné, le mettre sur le marché, ça c'est un crime qu'on ne peut pas décrire. Ouais, mon collègue, si vous permettez, les gars de Bobo qu'on a reçus chez nous, ouais, nous ont dit que cette farine qui est là, elle est bien pourrie, mais que quelque part, elle est destinée à Forêt Forte, l'entreprise Forêt Forte, qui devrait fabriquer des contreplaqués, de la colle. Ouais. Ils ont même brandi un certain nombre de documents et que même le procureur général de la cour d'appel a donné un document. C'est un document qu'ils nous ont fourni, je peux vous le montrer. Qui leur permet, puis demande à la police routière de leur permettre de laisser passer les 10 conteneurs qu'ils avaient. Et comment réagissez-vous à ça? Non, c'est une supputation. Ouais. C'est des allégations. C'est des arguments échappatoires. Hein, d'accord? Ouais. C'est des arguments échappatoires. Ouais. Je te dis simplement que celui-là, que cette farine-là était destinée, ouais, était destinée à la vente. Ouais. Sinon, ouais, vous avez 10 conteneurs. Ouais. Vous savez,
c'est pour destiner à la foire forte. Ces conteneurs, ces farines-là sont dans le conteneur. Pourquoi déballer? Pourquoi encore enlever dans le conteneur, mettre dans un magasin à 30 km? Pourquoi pas le faire au port ici? Pourquoi pas le faire au port ici? On est d'accord? C'est ma première question. Si cela était vrai, pourquoi importer les sacs nouveaux pour mettre dedans? Alors qu'ils pourraient livrer directement les conteneurs là à forêt forte, et aller mettre directement dans leur magasin, compter, parce que le kilo est connu, la quantité est connue, et puis faire le marché. Et c'est vrai. Pourquoi importer les nouveaux sacs pour transvaser ces farines pourries là dans ce nouveau sac là? C'était pour mettre sur le marché. Et puis ceux qui ne connaissent pas Bobo, c'est ceux qui peuvent imaginer comme ça. Ceux qui connaissent Bobo, policiers, gendarmes et magistrats dans ce pays, ou opérateurs économiques, savent qui est Bobo. Il ne vit que de ça. Et tous ses enfants sont en Europe, sont à l'abri de ces poisons-là. Et c'est vrai. Donc c'était pour transvaser, c'était pour vendre aux citoyens. Parce que sinon, ils n'allaient pas importer les sacs vides. Et c'est vrai. Ils n'allaient pas mettre les gens dans un trou comme ça et refermer la porte derrière. C'est-à-dire qu'ils savaient que ce qui est fait est impropre à la consommation, que ce qui est fait est impropre à la loi, que ce qui est fait est une contradiction par rapport à la loi. Sinon, ils n'allaient pas refermer la porte derrière. Hein? Pour mettre les gens dans ce four crématoire et en train de reconditionner cette farine pourrie. Et c'est vrai, dans les nouveaux sacs, à but de le vendre. Les panneaux de sacs comme ça, ils sont venus. Des milliers. Vous allez trouver ça à l'intérieur. À l'intérieur là-bas, tout le monde a vu ça. Et puis si tu veux même, demain, on peut vous envoyer sur le site. Vous allez essayer de faire vos propres images. Et c'est vrai, parce que les sites sont sous scellés. Donc, Forêt Forte n'en a pas besoin. Quand Forêt Forte marche déjà sans eux. Et quand j'ai sondé Forêt Forte, qui est aujourd'hui d'ailleurs, qui ne travaille pas beaucoup maintenant, j'ai dit, mais on n'a pas besoin de stock là. Un de deux, si c'était eux, ça sert à quoi d'enlever dans le conteneur, mettre payer encore d'autres agents, mettre dans d'autres sacs importés, sacs nouveaux importés, pour être vendus à la forêt forte. Alors que c'était pour juste mélanger pour servir de couler les contreplaqués pour en faire. En Israël. Voilà, mon colonel, on a appris qu'il y a eu des arrestations, hélas, un certain hélas Abdoulaye, je crois, qui aurait été arrêté. Et quelle va être la suite? Donc, c'est le pénal, hein? Et qu'en est-il de Bobo aussi qui n'est pas en Guinée? Bobo va venir. Nous sommes dans un état de droit. La Guinée a changé. Le président de la République, s'il s'est prononcé sur ces rues pourries-là, parce qu'il tient à sauvegarder la vie de ses citoyens. Si le président de la République, le professeur Fakonde, s'est prononcé sur ces rues pourries, parce qu'il sait que ces rues-là, livrées à sa population, peut créer des problèmes très dangereux, peut mettre en péril la population guinéenne en termes de santé publique. Et c'est vrai. C'est pourquoi lui-même s'est prononcé en 2018 que de ce rue-là doit être surveillé et aller incinérer devant la sécurité. Et c'est vrai. C'est parce qu'il savait que la date de prévention est atteinte et que nous on ne peut plus consommer. Si Bobo a trouvé des nouvelles étiquettes, s'il a trouvé de nouvelles procédures, s'il a emballé tout le monde, Veritas, ministère de Santé, tout le monde, et c'est vrai, dans le but de revendre le sucre dans le nouveau sac, ça veut dire que l'inflation est consommée. Donc vous promettez que Bobo, vous allez l'amener en Guinée? Bobo va venir en Guinée. Ouais. Il le procureur général. Qui est actuellement ici. La justice guinéenne qui a changé, hein, sous la commande de maître Sako. Et vous voyez, ils ont un inspecteur général là-bas qui ne fait pas un seul pas en arrière face à des dossiers comme ça. Moi, je crois. Je crois que la Guinée a changé dimanche, que la Guinée est dans un état de démocratie maintenant et d'état de droit, que Bobo, ce qu'il a commis à la population guinéenne, il faut qu'il revienne répondre à ses fins. Et il reviendra. Ça, par rapport à ces cassis-là, à ces acolytes, ces clans de Elage Abdoulaye Ba et un autre là, et ce monsieur Kourouma, on ne sait pas quoi, il dit ivoirien, et c'est voyez. Alors, ceci-là, il faut qu'ils aillent répondre leur complicité. Ils sont au co-auteur par endroit, complices par endroit, et facilitateurs par endroit. De tous ces faits, sont des faits purement considérés d'actes pénals. Et quand c'est un acte pénal, c'est la justice. Il n'y a pas de problème, c'est la justice qui s'en charge. Ouais. C'est pourquoi nous, les OPJ de mon département, ont déjà fait toutes ces enquêtes. Ils ont posé tous ces jalons avec des preuves tangibles à l'appui. Les PV sont faits et les gens sont déférés devant les tribunaux. Et le rôle d'un OPJ, c'est bien ça. C'est inévitable. Ils ont été déférés, c'est au tribunal de Mafanko. Oui, bien sûr, parce qu'ils sont compétents. Une fois qu'une infraction est commise, l'OPJ a pour mission de rechercher les auteurs. Et c'est vrai. À rassembler les preuves. Rechercher les auteurs, arrêter les auteurs, faire les PV et déférer devant un tribunal compétent. Tout est fait. Hein. Ce qui a été fait, moi je pense qu'on s'en réjouit. On attend. Féliciter les OPJ pour leur finesse, féliciter les OPJ de faire de se mettre
au-delà de la corruption, parce qu'il y a beaucoup de dollars qui tournent autour de cette affaire. Ils ont commencé à aller à des marches déjà. Nous, on nous a vu déjà, on nous a fait de grosses propositions. Tiens, tiens. Là, je vous le dis. Ouais. Et la justice, je pense que la justice aussi est en train d'être victime de ça. Ouais. Mais comme la justice a changé, comme on croit au lieu de la justice guinéenne, avec la réforme qui a été enclenchée par le président de la République sous l'égide de président de la République, par le maître Sako, par celui du président de la République, et c'est vrai. Et comme cette réforme a réussi, je pense qu'un tel dossier aujourd'hui doit être jugé publiquement pour que ceux qui regardent à distance, ceux qui sont encore prêts à faire la même chose, prennent d'exemple sur Bobo. Et ça serait un mauvais exemple. Et c'est vrai. Parce que Bobo doit être arrêté. Partout où il est sur la planète Terre, parce qu'il est en Belgique, avec toute sa famille. L'empoisonnement là, c'est contre les Guinéens, mais lui et sa famille à l'abri. Je reviens sur ça encore, c'est très grave. Et il est temps de construire des immeubles partout en Guinée ici. Après là, qu'il y a ici, il y a plus de 3-4 immeubles. Pas n'importe quel immeuble, hein. Des buildings. Et c'est vrai. Quand vous voyez ça, que ça c'est issu dans la fraude, que ça c'est issu sur le cadavre des citoyens, que ça c'est issu en faisant un empoisonnement massif comme ça, et c'est voyez. Hein? Peu importe la vie des citoyens, ce qui l'intéresse, ce sont bien. Je pense que la justice doit se réveiller et la justice est déjà est debout. Parce que hier, j'ai parlé avec l'inspecteur général, hier, j'ai parlé avec le procureur général. Je pense que chacun d'eux est dans l'esprit du ministre de Sako pour faire de ce dossier un dossier d'exemple. Un dossier d'exemple contre toutes ces manifestations de ce genre, toutes ces fraudes à ciel ouvert de ce genre. Le marché guinéen est pourri, vous le savez. Mais c'est encore mieux que quand les gens font la contrefaçon. C'est encore mieux la contrefaçon. Je préfère la contrefaçon pour quand un produit est périmé, c'est lui qui reconditionne ça. Pour faire croire aux citoyens que ce produit il est encore nouveau, je pense que ce monsieur-là est un criminel. Il faut qu'il vienne répondre à ses faits et ceux qui sont complices à lui vont vraiment répondre à ce qu'ils ont commis. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup mon colonel. Gina mateme la gina tisilu demena.